petits potes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé un bon week-end. Petite vidéo spéciale, j'avais envie de faire en vidéo, du coup je me suis dit, c'est l'occasion les gars. Et oui, c'est vrai, le pack est disponible. Alors, précision les gars, en cas vous me demandez comment j'ai fait pour avoir le pack. Eh bien, il y a deux solutions. Petit 1, vous pouvez l'acheter sur des plateformes comme Ascent Gaming par exemple, qui coûte 12,99€ en avant-première avant la sortie officielle dans Fortnite vers mois de novembre. Je vous conseille vraiment d'acheter sur Ascent Gaming, et c'est sûrement moins cher que sur Fortnite. C'est une petite astuce. Vous avez l'accès sur trois plateformes. Donc, si vous avez comme moi une Switch, par exemple, vous pouvez l'avoir sur Switch, sur Xbox, sur PS4, et enfin sur les PlayStation, quoi. Après, vous avez compris. Malheureusement, si vous êtes que sur PC, comme moi, je suis sur PC, j'avais un peu le seum, mais je me suis dit, heureusement, j'ai une Switch, les gars. Sinon, je serais coincé. J'ai une Xbox aussi, mais le problème, c'est que je ne peux pas relier mon vrai compte, enfin mon compte officiel sur Xbox, quand ça marche pas, à cause d'Epic Games, ils ont fait de la merde. Bref, c'est une longue histoire. Mais en gros, je peux pas relier mon compte à celui que qui est valide sur ma console. Et que du coup, ils ont laissé mon ancien compte qui n'est plus, enfin, qui marche plus, qui n'est pas sur la Xbox One. Bref, et j'ai pas de PlayStation, même si j'ai un compte PlayStation, j'ai pas de console PlayStation. Donc, j'avais que la Switch comme solution. Heureusement, j'ai la Switch. Vive la Switch, les gars. Bref, elle m'a sauvé la vie. Le pack contient du coup 3 skins, 3 pioches. Normalement, on a une emote à l'intérieur, je crois. Donc, Midas, il est stylé. Je l'aime bien comme ça, je vous dis. Les gars, regardez ce sac à dos. J'ai une sorte de casque de moto. Comme ça, j'adore. J'adore. La pioche. Ah là là, la pioche. Elle est pas mal non plus, la pioche. Hein. C'est un katana 24 carats quand même. Ah, c'est pas de la merde. Hein. Celui-là, c'est un skin un peu style manga un peu. C'est Rox. Alors, ça ressemble à un skin Rox un peu version maintenant. Ceux qui se rappellent, les gars, c'était un skin qui, qui a le même nom. Je parle bien du prénom. Parce que physiquement, elle ressemble un petit peu au niveau des couleurs. Mais pas trop quand même, donc ça va. C'est rapport à un skin qui était sorti au pass de combat chapitre 1. Ça date de longtemps. Elle ressemble un peu à Rox, mais un peu plus dans notre univers. Parce que The Rox, ce qu'on avait dans ce combat, c'était la saison 9, si je me souviens bien. Et elle était un peu mode futuriste. Et j'avoue qu'elle elle a un petit côté voilà, plus récent quand même. Donc vraiment, très stylé. Moi, je l'aime bien. Et je sais ce skin-là pour venir à skin tryhard. Le second est trop mignon. Le hélico flambeau, ok. La petite pioche, du coup. Pas mal non plus. J'aime bien le genre de pioche. Donc ça, c'est une pioche. La trancheuse, je veux souvent jouer. Le skin Penny. Alors, Penny, les gars, si vous jouez à Sauver le Monde, vous connaissez très bien ce skin. Allez dans Sauver le Monde, Penny, du coup. Voilà. Vous pouvez aimer ou pas le skin. Je trouve qu'elle est sympa quand même. Elle a un petit côté. Par contre, pourquoi ils ont fait un petit. Là. Ouais, pourquoi pas. En mode manga, comme ça, je la trouve sympathique. Vous avez du coup le sac à dos. Le sac à dos, du coup, petit sac à dos noir. Et la fameuse pioche. Ce qui est plutôt pas mal non plus comme pioche. La lame flambeau. Donc, je pense que ça va la pioche qui va avec elle. Et cette pioche-là va avec elle, je crois. Vu la couleur de la pioche, je pense que c'est ça. Et la danse, du coup. La danse, j'adore la danse. Je vais direct la mettre dans mes favoris. Putain, les gars, je m'étouffais. Alors, je vais commencer par mettre lui, obligé, les gars. Elle. Et la pioche, je vais mettre... Oh, puis j'en verrai tout à l'heure. Ça, par contre, je vais mettre en favori. Obligé, les gars. Dites-moi en commentaire si vous voulez aussi le pack, ou si vous aimez bien le pack. Ouais, je vous pourrais mettre le lien, si vous voulez, d'Ascent Gaming, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Hein, je ne sais pas trop besoin de le mettre, je pense. Vous pouvez l'avoir, je vous rappelle encore une fois. Switch, PS4, enfin, du moins PlayStation, bref, vous avez compris. Et Xbox, sur les trois plateformes que vous pouvez l'avoir en avant-première. Avant la sortie officielle dans Fortnite, qui sera du coup, voilà. La base, il doit sortir le 22 octobre, il est sorti plus tôt sur Ascent Gaming. Donc ça, c'est cool, ils sont bien en avance. Ils sont toujours bien en avance, et franchement, les prix sont plutôt raisonnables. Je vous coûte 12,99€ pour 3 skins, 3 sacs à dos, et 3 pioches, plus la danse, qui est plutôt sympathique. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner, le petit pote, et surtout pour la prochaine vidéo et le prochain live. D'ailleurs, je ferai sûrement un live tout à l'heure sur The Division 2. Allez, bye bye!